Je fais un petit fifi comme ça, un peu sournois, un peu mignon, tu vois. Ça me donne plus de chances d'être accepté, je crois. Bienvenue dans ma précieuse liste d'amis, bien sûr. Parfait. Je vais caster. Je vais les caster là. Ils sont même, je crois qu'ils sont même pas au courant qu'ils sont en stream. Chut. Garde le secret. Non, je vais lui dire ça après le match, comme ça il n'y a aucun d'eux qui stream hack l'autre via moi, tu vois. Si, imaginez, il y a un qui stream hack l'autre à cause de moi, ce serait un peu triste. Bon. Tu vois, ils voient où sont placés les vrais, ils voient quelles cartes ils ont en main, parce que moi je suis en train de spec les deux gens. Ouais, bon, c'est vrai que. Hop là. L'autre dans mes contacts. Il est où? Attends, est-ce qu'il a refusé? Cache mes précieux œufs au cas où. Ah ouais. Lui, il voulait me streamer. Lui, il voulait streamer avec l'adversaire là. Et bienvenue, Biscotte. Tu vois, lui, il sait que je suis en stream là, il voulait stream back l'adversaire via mon live. Quel vicieux. Par contre, c'est quoi ce yop? Ébranlé, colère, pure puce. Je vais pas le juger, mais je crois que l'autre il a refusé ma demande d'ami là. Là, je suis tellement triste. Il a même pas eu un bonjour, t'es qui, pourquoi tu me demandes en contact? Non, ça a été un bam, direct. Charge. J'essaie de comprendre son deck, hein. Il a des cartes. Il a des cartes, yop. Do. Un deck original. Après, c'est sûr qu'en jouant des decks originaux, on a peut-être moins de chances que l'adversaire tourne autour de nos cartes. Après, si normalement il y a des decklists optimisés, c'est parce qu'elles sont peut-être un peu plus fortes, mais après voilà. Il joue ce qu'il veut, hein, tant qu'il s'amuse. En vrai, il a des jolies cartes. Vous voyez cet Acham doré là? Il est beau. Et après, c'est vrai qu'Acham il est intéressant. Yop, t'as des synergies là. Acham initiative, c'est très drôle. Je vais pas dire si c'est fort ou nul, parce que j'ai jamais joué. Mais c'est très drôle. Et en vrai, Colère de Yop, c'est une carte jouable. Je veux dire, c'est une carte qui a du potentiel. Après, en Yop aggro, on va peut-être pas forcément préférer ça. Do, Yop aggro. C'est jouable. Après, il y a mieux. Vous voyez, c'est pareil pour ébranler, c'est jouable, mais il y a toujours mieux. Il prend le PA, il pourra curver Do. Ouais. Ok, ça se tient, ça se tient. N'empêche, s'il arrive à caler du Hacham initiative. Oh mon dieu, c'est un régal. Et c'est vrai qu'il était même pas au courant de la combo. Oh là, le Black Wabbit. Attends, est-ce qu'il n'y a pas un truc pur. Merde. J'étais en train de réfléchir à ce qu'il n'y a pas un truc avec Uppercut. Mais non, s'il n'avait pas pris la pioche, en vrai, un Purpus double pioche Uppercut, ça aurait pu être quand même assez stylé. Mais. Black Wabbit, ok, pour l'instant, là, ses plays ils ont l'air corrects. Il n'a pas une main de fou. La main est beaucoup trop lente. Après, peut-être il joue pas, il n'y a pas gros, mais. Eva 3, bon c'est pas la meilleure des Eva. Après Eva normalement on la joue pour sa portée 1-5, hein, donc qu'elle soit 1-2-3 on s'en va les couilles. Mais bon. Peut-être en Uppercut. Ça permettra de faire un value trade. Ou alors il peut attendre un tour pour Uppercut et par exemple faire Mercator. C'est quelque chose de faisable. Non, il fait Uppercut maintenant. L'heure de gloire, il la garde bien au chaud, il a raison.
Moi de base j'avais pas mis les cages aux fous parce que je comptais spectre les deux. Hein. Et je me disais que les gens ils allaient. Attends, est-ce qu'il a. Il a. Est-ce qu'il a. Il a overdraw une carte qu'il a repris avec second souffle. Du jamais vu. Ah c'est triste. Ok il fait ça, il va quoi? Une orbe là-dessus j'imagine? Enfin s'il fait pas orbe là-dessus il est. Je vais pas dire il est teubé mais. Ah non il fait un premier sang. On sait que t'as une orbe. Ah mais il fait double premier sang. En vrai non ça aurait juste été mieux de faire une orbe je crois. Pour les manas. Économie de mana. Après c'est sûr ça l'évite de se prendre une glaive ou une charge, genre yop il y en a beaucoup. Excusez. En vrai là Scarafond. Scarafond d'eau. Ah il joue Mercator là, je suis pas fan. T'avais un Scarafond là qui était très bien. Ah pas fan, pas fan. J'aurais pas joué Purpus là parce que Purpus ça fait aucune tempo. Là tu dois essayer de prendre la tempo, tu vois. Et là il double PA pour faire un Scarafond, c'est triste. Là le but tu vois l'adversaire il est en train il est en train de faire de la magie blanche tu vois il fait des trucs mais ça fait rien ça fait pas grand chose tu vois enfin, il est en train de jouer des cartes mais au final tu vois dans les faits il a juste infligé 2 dégâts ici 2 dégâts là et il a posé une 3-2 tu vois alors que lui il était en train de il jouait plein de cartes tu vois c'est et donc il aurait dû profiter juste pour mettre des stats quoi une Do un petit Scarafond ça prend le trade enfin, par contre le Magmog, il était inutile. Grosse perte de value de la part de Duo. Duo Max, ouais. Après, voilà, je sais pas leur niveau de jeu. Donc, je pourrais pas dire si sont bons ou non. Ouais, là, tu joues en dos sur un DPA, ok. L'ébranlé qui est bien joué, en effet. Grosse perte de value parce qu'en fait, sa 3-2 meurt quand même. Ça économise juste un HP là-dessus. Bon, Proto sournoiserie. Par contre, il a mal joué son protoflex. Je vais pas dire qu'il a mal joué son protoflex. Il avait pas assez d'informations. Il devait peut-être attendre de savoir où était le vrai. Non, non, je veux juste dire qu'il a pas bien snipé. Quand tu joues un proto, c'est pour snipe. Tu vois. Là, le gars, il a fait sur un fou. C'est triste. En vrai, bah, je pensais à une heure de gloire, mais ça fonctionne aussi. Avec une charge. Ouais, et il peut commencer peut-être à fléau ici. Vu qu'il a les 4 fléaux. Je me disais, on aurait juste hors de gloire, t'as un monstre. Le truc qui prend le trait sur Magmog parce que là, il y a le problème du Magmog. Qui est face à un vrai, ça reste une 5-6. C'est compliqué. Ou alors, ouais, il peut jouer ça là. Après, je suis pas trop fan de Belafon. Il a le Belafon là. Ça lui redonne Magmog. Ouais, c'est vrai qu'il y a peut-être pas énormément de meilleures cartes. Après, en SRAM, je sais pas ce qu'il joue, mais il y a des cochons, des choses comme ça. Qui aurait peut-être été un peu plus intéressant à voler. Il fait l'orbe là. Là, il a le choix des fléaux. Il décide de les faire là ou là. Il peut détruire immédiatement un Dofus en faisant triple fléau là. Alors, il peut décider de prendre un fléau ici et commencer à un peu fléauter. Pour pouvoir le buter au prochain tour. Après, s'il joue une créature pour prendre le fléau ici, t'as pas vraiment envie de jouer les fléaux sur une ligne que tu agresses déjà, toi. C'est comme si tu commençais à faire des fléaux ici alors qu'il y a cette carte qui est là et qui a peu de chances d'être gérée. Là, il est bien content de ne pas avoir fait ma ligne de play. Hein. Il est bien content de regarder Heure de Gloire. En plus, il a récupéré Magmog. Oh là là, le petit chèvrouilleux. Chèvrouilleux ici, et tu fais double fléau. Chèvrouilleux, pair-up, double fléau. Tu prends le Dofus là. Celui-ci, il a un HP, t'as encore deux fléaux en main. Tu récupères le Magmog. En plus, il y a le chèvrouilleux qui menace là quand même. Je pense que c'est la meilleure play. Après, peut-être qu'il me regarde et donc peut-être il se fait coacher. Après, est-ce que suivre mes conseils, c'est forcément des bons conseils? Vu que je ne connais pas son deck, pas forcément. Je veux dire, là, je pense, tu vois, comme un Yop aggro classique, quoi. Ça se trouve, il n'est pas du tout Yop aggro. Ça se trouve, depuis le début, il jouait Yop meule. Après, il peut décider de garder les fléaux, enfin, garder les PA. Mais je pense que à partir du moment où t'as 10 PA dans ta réserve, tes PA vont pas se faire grand chose. Et là il garde 3 PA. En vrai non, il aurait dû utiliser ses 2 PA.
Parce qu'avec un... Ah non, non, my bad. Non, j'ai failli dire une connerie. Avec... En fait, avec 2 PA, tu peux faire quadruple fléau. Avec 3 PA, ça change rien. Avec 1 PA, tu peux pas faire quadruple fléau. Mais là, il lui restait 2 mana alors qu'il aurait pu faire en plus. Là, il lui restait 2 mana, il aurait peut-être pu un peu plus optimiser. Avoir balancé un seul fléau, ça me plaît pas trop parce que... Parce que tu n'as pas assez de fléau pour garder la possibilité de buter spicé au fléau. Bon, par contre, là, t'as du magmog, hein. Et... Ouais, un magmog ligne 1, paf, tu transformes le papa. Oulala! Ah ouais, non, mais par contre, le snipe, là, le snipe! De faux! Bon, le SRAM... Il y a Protoflex qui est déjà passé, ça heureusement. C'est bien pour le truc. Bon, l'initiative, il aurait été bien si quand il avait Acham. Acham? Ah, blague de qualité. Sinon, on peut faire juste une heure de gloire. Bon, ton truc, il devient une 11-11, rien ne l'arrête. Tu peux même faire peut-être Erat, heure de gloire. Ton truc, ça devient une 6-6 initiative. Rien ne l'arrête. Après, je sais toujours pas s'il m'écoute ou pas. Hein. Ça sert à rien de faire les power-up là. Ou alors. Ah ouais, faire le double fléau et puis hors de gloire. Et dans ce cas, ton truc devient une 4-4 initiative. Ok, après, le seul problème, c'est que ça bute pas un cochon quoi. Le 6-6. En fait, ce que j'aimais bien dans 6-6, c'est que ça bute Copa. Ça bute Copa sans se faire toucher. Tu vois? Donc je suis pas trop fan de cette ligne de play. Et il aurait gardé. Il aurait peut-être pu même faire initiative. Tu vois, il aurait par exemple joué Erat une case avant. Triple pair up, faire un fléau. Tu vois, transformer ça en 6-6 et faire un fléau. Après non, à ce rythme-là, autant le jouer ici et garder 4 paires dans ta réserve, mais. Je sais pas, je suis pas trop fan. Parce que là, s'il a un cochon. Tu vois, il fait un... Et là, Kamazutar, par exemple, ça tank l'attaque. C'est rare les créatures qui ont 6 HP, mais elles existent. 7 HP, bon, c'est mort, tu vois. 7 HP, ce sont soit d'eau, soit des cosmiques. Hein. Je pense par exemple à la 5-7 Sadida. Bon, par contre, là, il a un Magmog ici. Il a. Triple fléau, il a pas assez pour buter là au fléau. Par contre, non, non, non. Misplay, misplay. Vous savez pourquoi misplay? C'est parce qu'il aurait pu augmenter les PA de Magmog. Là, il aurait dû jouer dans l'autre sens en fait. Parce que Magmog, de toute façon, il le fait. Tu vois, là, il y a le côté, je joue la pioche en premier. Hein. Mais de toute façon, tu vas faire Magmog. Donc à partir du moment où tu es sûr de faire Magmog. Tu joues ton Magmog et après tu joues ta glaive sur le Magmog. Comme ça, le Magmog en 3 tours il arrive là au bout, alors que là c'est en 1, 2, 3, 4 tours. Ou alors, s'il avait posé le Magmog ici, même il aurait pu faire la glaive ici, ça aurait fait en 2 tours. Il y va. Vous voyez? Je pense qu'il aurait pas dû récupérer le PA up ici avec Magmog. Là, c'est une perte de tempo, hein. C'est un tour de plus pour aller au Dofus. Mais quand t'as une créature qui est certes grosse mais pas imbutable, t'aimerais bien écourcir les tours au plus possible. Surtout que là, peut-être il y a une orbe encore en main. J'ai pas compté ces orbes, mais. Ok, le gaz tombeau, ça empêche des potentielles compulsions. Il doit défendre là. Il a un chevalier Nimbo qui pourra immédiatement buter lui, ça c'est bien. Il peut jouer chevalier Nimbo ici, paf, il prend le trade. Archil en case 2 sur les lignes 4. Je suis pas fan parce que là il est obligé de défendre et considère donc un chevalier Nimbo moins bon qu'un Archil. Enfin, un chevalier Nimbo meilleur qu'un Archil. Parce que là l'Archil il part dans le vide. Alors que là l'Archil il partait sur une créature. Enfin, sur un Dofus. Vous voyez? Et fléau là. Même s'il prenait pas les fléaux instantanément, tu vois,
Et là, pourquoi il joue l'Archil ici? Il aurait dû jouer l'Archil en ligne 1. Comme ça, l'Archil prend un tour de moins pour retourner dans le deck. Et vu que son but ici est seulement de gérer le board adverse, t'as envie justement d'écourter le temps où il reste sur le terrain. Si son seul but c'est de gérer les créatures. Enfin, t'as envie d'augmenter, pardon. Pas d'écourter, justement. Et là. Là, ça devient plus compliqué. Il se fait aggro là. Il se fait... Oh, par contre, ça c'est parfait. Épée céleste ici, ça bute lui, ça inflige 3 dégâts au Wabbit, ça inflige 3 dégâts au Copa. Le Copa il meurt sur Chevalier Nimbus. Voilà. Lui il est presque mort sur une guillet, il peut mourir. Il peut fléau là s'il veut. Après, je suis pas trop fan des fléaux, vous savez pourquoi? Parce que fléau, tu gardes des cartes en main. Si l'adversaire ne compte pas tes fléaux, il ne s'arrête pas quand t'as l'étal. Tu vois, quand il te reste plus qu'un fléau ou deux, tu peux les garder en main, tu vois. Et comme ça, à tout moment, tu fais triple fléau alors que l'adversaire s'y attendait pas. Alors que là, il sait que si tu refresh les fléaux. Oh, par contre, le top deck! Bon, larve verte sur fléau. Ah oui, larve verte là-dessus. Et là, ça en faut depuis le début, il a l'air con. Voilà. Et là, il y a les deux cochons qui sont là, qui menacent. Il a totalement perdu à tempo. Il a plus de. Il a une main vide. Peut-être un manque de pioche. Ou peut-être il a tout simplement pas eu de bol et il a pas pioché de sa pioche. Et s'il a une glaive, il a perdu. Hein. Il a pas l'air d'en avoir, mais là il agresse sur les trois vrais, quoi. C'est très compliqué. Il a en plus une Belafon derrière. Par contre, après, s'il a une Noxine dans son deck. Enfin, une Toxine. Oh le jeu qui troll! Oh le jeu qui troll! Bon, il a perdu. Il est où? Après, peut-être il a fait un mauvais mulligan aussi. Moi, j'ai pas vu son mulligan. Hein? Parce qu'en fait, à partir du moment où il fait, imaginons. À partir du moment où il garde, imaginons les cartes du style Colère de Yop ou Ébranlé dans sa main ou Purpus, tu vois, c'est un mauvais mulligan. Faut pas garder ces cartes-là. Tu vois, ce sont des genres de petites cartes tricky. Au Yop, enfin là, ça avait l'air d'être un Yop plus ou moins classique. T'as envie de prendre la tempo, t'as envie d'avoir le board, t'as pas envie d'avoir du répondant. Tu vois, t'es pas comme si t'étais un deck contrôle, un Eridirpza qui va dans les premiers tours répondre, ou alors un deck midrange. Tu vas dans les premiers tours, tu vas répondre et après. Une fois que tu auras assez de PA, tu vas commencer à jouer des cochons, tu vas commencer à jouer des grosses créatures qui vont agresser petit à petit, tu vas essayer d'épuiser les ressources adverses, de faire des AOE, tu vois. Ça, ce sera pas ton but. Ton but, c'est vraiment de prendre la tempo et après, justement, avec des petites cartes tricky, prendre les Dofus. Mais bon, si tu commences immédiatement par garder ce qui est censé être la fin, bah vous verrez qu'il y a un problème, quoi. Si tu commences avec la fin, et donc Sacrieur versus Ekaflip. Par exemple, là, dans son mulligan, il devrait enlever Champion, il devrait enlever Attirant si ça c'est sa main de départ. Ou alors peut-être que ça c'est sa main après le mulligan, ça je ne sais pas. Donc voilà. Bon, sang brûlant, c'est pas ouf. Larve verte, ah ça peut être bien. Comme on l'a vu à la game précédente, l'arme verte, ça a fallu donner la win, hein. Bon, il doit passer son tour, hein. C'est rien de faire un sang brûlant dans le vide. Maskman Pleutre en brillant, là, c'est joli. Tu vois, moi je vois des cartes comme ça me séduit, hein. J'ai une carte nulle, elle est brillante, je la joue, tu vois. Oh non, c'est faux. J'exagère un peu parce que sinon ça ferait longtemps que je jouerais Datura. Oh, il est face à un Smork. Là, t'es content d'avoir sang brûlant et disciple d'agonie. Ah non, c'est peut-être juste un aggro qui joue. Ou alors, c'est peut-être un Smork qui a pas décidé de faire 4 T1. Ça peut être le cas. Hein. Des fois, ah non, parce que lui il commence en premier. Avec une main comme ça, je crois pas que c'est un Smork en face. C'est juste quelqu'un qui a eu une assez bonne sortie. Bon, bah, pied du sacré sur Chavachavien ici. Hein. D'ailleurs, je me demande si au tour d'avant il aurait pas dû s'en brûler. Non, non, il aurait pas dû.
Parce que là, il a, hop là, un pied du sacré. Prochain tour, un disciple. Disciple, il révèle rien du tout. Parce que bon, vu que le deck en face, c'est un deck qui a l'air assez agressif, faut pas révéler, tu vois. Ça sert pas à grand chose. Ah, il peut même Tiwabit ici, plus disciple. Comme ça, il évite des glaives, des choses comme ça. Ça peut être un play intéressant. Ouais, il l'a vu. Il l'a vu, il m'entend, je ne sais pas. On va partir du principe qu'il l'a vu. Hein. On va partir du principe qu'il se fait pas coacher gratuitement. Il aurait pas dû jouer le disciple là. Il aurait dû récupérer un petit fléau, un truc comme ça. Il aurait dû récupérer peut-être le PA. On sait jamais s'il arrive à le faire charger. Là, le disciple il meurt, c'est con. Tu vois, alors que bon, de toute façon. Ça allait. Oh, je fais chier. Ça, c'est vraiment une carte ultra chiante. Parce que soit c'est ultra fort, soit c'est ultra faible. Orb au mid, hein. Shavasha vient, je crois, à ligne 1 et Orb au mid. T'as pas envie que ton disciple se prenne des dégâts. Tu vois? T'as vraiment envie de le protéger un maximum. C'est pour ça qu'il doit pas le jouer face à des créatures. Tu vois? À part si t'as une stratégie vraiment bien construite derrière. Mais bon, là, t'as. J'ai pas envie de lui manquer de respect, mais ça a pas l'air d'être le cas, tu vois. Dans ce cas-là, il est obligé de claquer l'orbe au mid. Après, je pense que de toute façon, j'aurais claqué l'orbe. Ah non, il claque l'orbe là. Pas fan, pas fan. Pas fan parce que ton disciple il meurt, hein, alors que c'est une carte très forte. Et de toute façon, lui, si ton disciple était resté en vie, hein, lui, il allait passer à 3 HP, il se faisait buter par Shavashavian. Vous voyez? Donc, vraiment pas fan. Il détruit un fléau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, il peut Maskman. Il devrait profiter de la tempo, jouer Maskman en ligne 5 pour pouvoir buter le Donrasky et faire de la value. Après, en espérant peut-être que la Shavasha vient parte dans la main adverse. C'est une possibilité. Ah non, il joue Globule la Crapule. Ah, c'est chiant. Parce que déjà, ça fait que t'as un mana vide. Alors que là, t'avais un bon Maskman. Et Maskman, c'est une de tes meilleures cartes. Après, certes, sur le fait que Shavasha vient reparte dans ta main. Ouais, tu overdraw une carte. Mais en vrai, overdraw une carte, c'est pas si important. Et là, il a beaucoup de cartes en main, ça va commencer à être compliqué quoi pour lui de faire le Maskman. Après, là, on peut imaginer une Boulère Dash. Boulère Dash sur Globule. On fait avancer la Globule. Ou alors tu fais tout simplement des Shavashavien et peut-être du Fléau pour vider ta main. Ce serait pas choquant, Shavashavien, un Fléau quelque part. Ok. Ça paraît être beaucoup trop de ressources pour si peu, mais. Ok, pourquoi pas. Au final, il a géré lui, il a géré lui. En fait, c'est juste que lui, tant qu'il n'y a aucune créature sur le terrain, il fait rien. C'est pour ça que je l'aurais pas buté instantanément. Tu vois, juste jouer une créa en face, ça suffit. Mais bon. Après, il joue comme il le souhaite. Là, peut-être Maskman. Hein. Maskman sur PA. Par contre, j'aurais peut-être pas joué la Shavashavir là, j'aurais joué sur un PA. Comme ça, je garde les fléaux. Les fléaux, c'est plus important que les PA en late game. Hein. Donc, ouais, je joue une boulière d'H. PA up, un fléau. Un fléau sur une ligne que t'agresses, je dirais toujours, c'est pas ouf. Après, non, parce que lui, il va buter les deux. C'est un problème. Ça, c'est quand même plus 7 HP. Et ça ne suffit pas, vous voyez. C'est un peu triste pour Boulder Dash, putain. Quel nom chiant. La nonne. Surprenant. Et le flopin. Par contre, le flopin qui ne change absolument rien, il a perdu un flopin. Il peut même jouer Maskman en face du flopin. Comme ça, il fait un value trade dans le Maskman. Enfin, dans le flopin, pardon. Comme ça, il s'auto-value trade, tu vois, il se donne un coup de poing comme ça, bam! Non.
Bon, allez, il est temps que tu joues ton Maskman là. T'as assez tourné autour du pot. C'est sûrement ta meilleure carte de value. Joue-la! T'as la tempo pour pouvoir le jouer. Joue-la! Je vais le tabasser. Bon, c'est con parce qu'il a perdu un fléau là. Après, il récupère un butin et il récupère un Dofus. Et lui fait au Vendron une carte. Oh! Bon, c'est un faux. Mais. Là, je suis en train de garder. Tu vois, là, je suis en train de chercher les points positifs à son play. Hein. Tu vois, pourquoi ne pas jouer l'énorme carte de value qu'est Maskman, hein. Parce que bon. Aussi donc, je sens que je vais craquer mentalement. Ça fait 3 tours qu'il est là. Joue-moi, vas-y, pioche toutes tes créas là. Parce que là, il a une main vide. Il a une main, elle est terriblement vide. Ça fait rien. Il a que Maskman qui pioche. Ça m'angoisse. On va avoir des mains vides, ça m'angoisse. Je pense qu'il y a. J'ai pas envie d'être méchant vers lui, mais je pense qu'il y a des problèmes de deck build. Hein. Il a des mains trop souvent vides. Bon, par contre, là, tu joues Maskman face à Flopin. Tu joues Scarafon face au. À la nonne. Je pense que ça. Scarafon face à la nonne. Glay sur Maskman. Pourquoi tu protèges pas la nonne? Pourquoi tu protèges pas la nonne? Qu'est-ce qu'elle t'a fait, la nonne? Il va te choper un bon du félin, je vais bien rire. Le petit bon du félin là. Une chance sur deux qu'il prenne le Dofus et Ben. Oh! Oh mais en plus il est pas blessé à cause de ça! Je vais pas dire qu'il te baie mais je vais le penser très fort. Non, en vrai il pouvait pas prévoir ça. Ah non, il a pas de bon du félin, mais zut! Je voulais rire un peu, moi. Passez-moi des bons du félin. Bon, allez, tu joues la glaive là, face à la node, sur Maskman. C'est bon. On a besoin qu'on... Oh, par contre, le petit attirance. Oh, le petit attirance, là, qui fera rapprocher tous les prismes. Oh, ça peut être bien. Pour une fois que Attirance pourrait être bien, pour une fois qu'Attirance pourrait être stylé, allez, joue le spell s'il te plaît. Joue Attirance. Oh tiens. Je m'en demandais. Ah non, il a encore refusé. J'ai vu un bouton bleu, j'ai cliqué. Ah mais non, mais il a joué Maskman là. Il est pas drôle. Il aurait pu bloquer de la pioche et des fléaux en face. Pour une fois qu'Atterrance était stylé. Bon. Je ne connais pas le niveau de chacun. Il y a des personnes qui reprennent, il y a des personnes qui débutent. Après, ouais, il y a des... Le seul truc, c'est que quand tu joues en tournoi, généralement, c'est que tu tryhardes quand même un peu le jeu. Donc c'est assez étrange de voir des personnes qui ont des decklists pas optiques alors qu'elles sont en tournoi. Mais bon, moi, que ce soit lui ou l'adversaire, je vais affronter l'un des deux. Tu vois, et en plus là, hein, je sais pas s'il capte, mais moi je prends des informations sur ses decks. Hein. C'était absolument pas pour ça que je faisais que je commentais à la base, c'était juste parce que je m'ennuyais, mais et moi je prends des informations sur ses decks, hein. Tellement je suis smart. Comment lui il est pas blessé? Ah mais il lui a donné +1/+1! Et donc il s'est même pas blessé! Est-ce que je vais dire qu'elle te baie? J'y pense très fort. Je vais pas le dire. Mais j'y pense très fort. Ah yes, enfin il pourra être blessé. Là il va faire armure avant, tu vois, je vais le... Sans brûlant. Dans sans brûlant il passe à 7, lui il passe à...
à 4. Non, non, c'est pas assez sans brûlant. Il devrait commencer à faire des fléaux pour cette petite punition, je pense. Parce que là, il va sûrement punir ce faux vers un autre Dofus. Essayer de prendre des informations. En vrai, un héros martyr. Tu poses un héros martyr en ligne 1. Comme ça, si au cas où il passe, ça fait une AOE. Et s'il passe pas, bon, ça reste une 3-8. Hein. Une 3-8-3, c'est quand même des grosses stats. Ah non, il le joue là. Déjà, il y a toujours la même erreur. Il y a toujours le fait qu'il joue les trucs en ligne 1 au lieu de les jouer en ligne 3. Ça me dérange, mais bon. Là, en faisant 4, il peut faire 4 d'armure là-dessus. Bon, il a pris du temps avant d'être blessé. Je suis en train de réfléchir en fait à quoi ça... en quoi c'était utile le 4 d'armure. J'aurais peut-être pas réfléchi en quoi c'était utile. Ouais, ça sert à s'il faut un trade, lui il pourra buter la nonne. Avec un peu de chance, il défonce l'event ici, ça claque une AOE, ça bute ça, ça bute ça, ça bute ça. Là en vrai, c'est. En vrai, là il fallait presque ne pas jouer la Chavachavien. Fallait presque laisser sacrifier ton Eben pour faire une AOE. En fait, je pense que c'était le bon play ça. Ah, mais non, il y a la Chacha. Ouais, bon, là, jouer la Chavachavien, ça tourne autour de la Chachamorphose. Parce que c'est sûr, avec la Chachamorphose, t'as l'air con si tu as laissé un Eben gratos. Hein. Parce qu'après, il y a ça qui sont toujours en vie. Bon allez, tu punis ce Dofus ou... Bon lui récupère la Chavachavien. Lui là, il est toujours en vie. Eux deux, ils sont toujours en vie. Oh l'enclaveur. Oh t'as... Enclaveur sans brûlant. Ça bute ça. J'ai pas envie de continuer à le dire, mais je vais le dire, hein, je vais le tabasser. Hein. Pourquoi tu joues ton sang brûlant avant de jouer l'eau? Certes, tu économises un HP là-dessus, mais en même temps, tu perds un HP sur le faux Dofus. Et même si c'est un faux Dofus, enfin, ouais, vous le voyez pas, mais bon. Et même si c'est un faux Dofus, t'as pas envie de perdre. Et en plus, il se fait retourner dans sa main. Donc, décidément, il n'y a rien qui. Est-ce que je souffre intérieurement? Oui. Là, tu joues enclaveur sur fléau, tu joues larve verte sur pioche. Parce que là, il aurait pu récupérer un fléau. Quand même envoyer son enclaveur ici et récupérer la pioche. Ça va quoi, on va pas gueuler au désastre. On va patienter un peu avant de gueuler au désastre. Deal, deal. Bon là je pense quand même que t'as eu le temps de trouver une partie avant de... avant la fin des deux matchs. Hein. Ils sont lents. Ah, je commence à recomprendre pourquoi on disait que Cross Baguette c'était un jeu lent. Oh, ça me fatigue. En fait, ça me fatigue, donc j'arrive à bout de nerfs, donc je finis par insulter tout le monde et n'importe quoi, tu vois. Après, peut-être j'insulte tout le monde, mais j'insulte pas forcément n'importe quoi. Ça. Duraden sur fléau. Duraden sur. Yes, let's go. Et tu fais un fléau là. Tu fais un fléau sur le truc là. Et comme ça, au prochain tour, t'as une punition sur le Dofus qui se fait aggro par le Chacha. Tu vois, tu punis ce Dofus là et paf, tu prends ce Dofus là. Let's go! Allez, joue ton fléau. Il a le PA, hein, donc il peut fléau punition au prochain tour. Hein. Oh, il va recevoir un message.
il va avoir ce genre de message juste après et il va pas comprendre. Hein. Là, je suis à deux doigts de craquer et de le cliquer. Hein. Après. Après, en fait, là, non, il a juste perdu. Là, il a juste perdu. Il a beaucoup trop de spells, il a pas assez de créa. Crossmaga, c'est un jeu sur plateau. Bien évidemment que les créas, c'est important. Hein. Les spells, ça fait pas tout. Vous voyez, il remonte ça, il va jouer là, il va essayer de faire des petits tricks, quoi. Mais derrière, il y a le gros crackler qui arrive, hein. Tu vas faire quoi face à ça? Et en plus, il punit pas ce putain de Dofus, alors qu'il va mourir. C'est triste. C'est très triste, ça fait mal. Quand tu vois un Dofus qui va mourir que tu peux pas punir, ça fait très mal. Bon, de toute façon, la punition, ce Dofus il va mourir au prochain tour, donc il va se faire punir. Paf, pour détruire ce vrai. Et s'il fait pas ça, il a aucune chance de gagner. Mais de toute façon, il a aucune chance de gagner là. Le Crackler, ça, bon, c'est la petite goutte d'eau qui fait déborder le vase, on va dire. En vrai, non, depuis qu'il y a le Crackler qui est là, il peut pas gagner. Hein. Parce qu'il est obligé de punition s'il veut gagner, après il a pas les PA pour gérer ça. S'il fait pas punition, il a tout simplement pas assez de dégâts à distance. Tu vois. Mais là, comment tu gères le crackler? Comment tu gères lui? Et il a porté, hein. Il va venir ici, il va t'infliger 4 dégâts à ton ébène. Hein. Moi je dis c'est à cause de l'attirance qu'il a pas joué quand je lui ai dit de jouer l'attirance. Après voilà. Vous me croyez pas, je m'en fous. Moi je dis c'est à cause de ça. Bien évidemment, il avait un fléau. En plus, il en profite pour jouer une Nomcop là et faire. Ah, t'as vu, moi j'ai une Crossmic là brillante, elle est plus stylée.